Accusé d'avoir assassiné son premier époux, André de Hongrie, poursuivi par une famille hurlant à la vengeance, la reine Jeanne, accompagnée de ses deux enfants, Catherine et François de leur nourrice, d'un prêtre et de gardes, trouva refuge dans son château de Rocasparvière. L'endroit était bien choisi, car dissimulé à la vue depuis les vallées. Situé sur une pente escarpée et facilement défendable car n'ayant qu'un seul accès, le petit sentier ne laissant passer qu'une personne à la fois. Les villageois n'apprécièrent que très modérément de nourrir tout ce petit monde, alors qu'ils peinaient déjà à subvenir à leurs propres besoins. La terre est très rocailleuse et pentue, offrant des terrains exploitables pour les cultures qu'à la gauche du village où subsistent des terrasses étroites. Mais les hommes à la solde de la cour de Hongrie retrouvèrent leurs traces et firent en sorte de s'assurer de la collaboration des habitants en les ravitaillant. Le prêtre ne put résister à la tentation, ses nouveaux venus se présentant comme des commerçants. Le soir de Noël, la reine Jeanne dut se résoudre à assister à la messe de minuit à l'église de Coaraz. Profitant de son absence, le prêtre fit entrer ses nouveaux amis dans le château, espérant lui aussi célébrer Noël à sa façon. À son retour, la reine trouva ses enfants servis sur un plateau posé sur la table, un poignard planté dans chacun d'eux. Selon d'autres sources, ils auraient été découpés en morceaux. Le lendemain, brisée, elle quitta le village en le maudissant. Un jour vendra, qui a qui non cantera, ni gagne ni gagnera. Malédiction ou coïncidence, toujours est-il que le village subit à plusieurs reprises de violents séismes et fut totalement abandonné par la population depuis le XVIe siècle.